fleuve peut se traverser à pied. 40% de débit en moins que la normale. La sécheresse est déjà visible. Et l'une des conséquences de cette sécheresse, c'est que le niveau des fleuves et des rivières baisse. Donc il y a une grosse inquiétude peut-être déjà sur l'été qui arrive. La sécheresse est bien là, vous l'avez tous vu. La quasi-totalité du territoire est concernée. Du coup, voilà le retour des restrictions d'eau du nord au sud, d'est en ouest. Il faut dire que cette nouvelle vague de chaleur des derniers jours n'a pas arrangé la situation. Il y aurait une autre dimension où les choses se passeraient différemment. Le shifting, c'est le fait de déplacer sa conscience dans une autre réalité. Alors, on est dans un multivers. Alors, le script, qu'est-ce que c'est? Le mieux, c'est d'écrire un script. C'est le déroulement de ce qui va se passer dans votre réalité désirée, en fait. L'intention de shifter dans la nuit. L'impression. C'est comme ça, tu focalises bien ton cerveau. D'être allé dans un endroit qui existe. Et t'établis plus ou moins un plan de ce que tu veux vivre dans le monde alternatif. Cette nuit, je reviens à la rivière de mon enfance. Dans la réalité que je visiterai, elle coule toujours, toute l'année. J'y retrouverai le chemin sous les arbres, la plage de Galéron. Dans ce monde, la sécheresse est exceptionnelle. Il n'est pas trop tard. Je saurai que je suis dans la réalité désirée quand j'entendrai l'eau. Je saurai que là, au moins, dans ce monde, la rivière est vivante. Ce n'est pas un rêve, ni un souvenir, mais l'accès à un monde parallèle au nôtre, où on aurait fait les choses différemment. On aurait trouvé une sorte d'équilibre. La réalité est condamnée, je ne veux plus y revenir. Je retrouverai la rivière, mais cette fois je ne me réveillerai pas à la pression de la créature. Je veux voir ce qu'elle veut, je me sens attiré par elle, même si elle a quelque chose d'inquiétant, la sensation d'une force qui dépasse l'entendement. Comme si dans cette réalité, les humains savaient où était leur place. Je ne veux pas revenir sans savoir, peut-être même que je ne veux pas revenir du tout.